Du sol au mur, à l'EMS, le sport est partout. Les élèves ne chausseront pas de crampons, mais étudieront le sport business. L'école forme des étudiants jusqu'au master. En France, on recense uniquement trois écoles qui proposent une filière complète autour des métiers du sport business. Un B3 à sa sortie pourra devenir chargé de communication, marketing, management, dans l'hospitalité, dans le sponsoring, etc. etc. Et puis un M2, il pourra devenir tout de suite directeur marketing dans les métiers du sport business. Situé à Guyancourt, l'EMS est en partenariat avec l'UVSQ pour accéder aux amphithéâtres et à la bibliothèque universitaire. Un site de 750 mètres carrés de locaux pour accueillir les 150 étudiants visés par la direction. Je suis passionné par le sport et je voulais faire du commerce en même temps, donc là les deux c'est parfait. Là je suis en première année infirmier, mais bon, peut-être qu'après je vais peut-être changer de voie, on ne sait pas. Et avec toutes les explications que j'ai eues ici, ça pourrait peut-être me faire changer d'avis en tout cas. Deux professeurs permanents seront accompagnés par des consultants. Les cours débuteront le 1er octobre prochain, coût d'une année, à partir de 8 000 euros.